bon, par rapport à l'arrêt des compétitions, moi je trouve ça normal, c'est une question de santé publique. Moi je pense qu'avant de penser au sport, il faut penser à la santé des gens. Et on n'est pas les seuls, hein, même la NBA où il y a des pertes énormes, un milliard de dollars, ils ont arrêté, partout on arrête, donc moi je trouve ça normal. C'est sûr que ça aura un impact négatif par rapport au déroulement de la saison et par rapport à l'état de forme des joueurs. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'entraîner individuellement. C'est sûr également qu'on ne pourra pas terminer le championnat à ce rythme. Certains clubs qui avaient investi beaucoup d'argent au cours de la saison vont se retrouver sans nul doute dans des difficultés. Il y aura des pertes de conditions physiques, on ne s'entraîne plus, on est tout le temps à la maison. Ça sera très difficile au retour. On n'aura pas assez de temps pour reprendre les conditions physiques, les maniements de ballon, etc., les tirs, parce que personne ne s'entraîne. La santé d'abord, avant tout. Plus impact pour les jeunes, moi, par rapport à Yélène Dekhi. Donc, au moins, nous c'est une fin de saison. Nous devons commencer. Entraîner, nous jouer. Et si on entraîne, ça peut être moins tanné. Donc, si une fois après le tanné, nous reprendre à zéro. La chose la plus importante, encore une fois, de chercher les voies et moyens pour 27 maladies d'abord, avant de pouvoir commencer à penser au sport. Maintenant, si Dieu fasse qu'on parvienne à 27 maladies, Inch'Allah, pour reprendre le championnat, je pense que ça risque d'être un peu compliqué, mais je pense qu'on pourra y arriver. Réellement, il y a pour le secteur, surtout le secteur espoir, et l'activité, il y a pour le espoir, il y a pour le espoir, mais il y a pour le santé, la santé avant tout, mon gandal. Le COVID-19 ou coronavirus fait des ravages dans le monde. Donc il fallait prendre des précautions, arrêter toutes les compétitions sportives, mais aussi toutes les activités publiques, manifestations publiques sur l'étendue du territoire national. À mon avis, c'est une décision courageuse et salutaire de l'État. Nous avons joué 6 journées, nous avons commencé à faire des formes, nous avons commencé à faire des mètres. Nous avons joué le club, nous avons joué le joueur, parce que le joueur est déjà en train de jouer. Nous avons perdu ses qualités, donc nous avons fait double. Le coronavirus est actuellement dans le monde et fait des ravages. Voilà pourquoi les compétitions sont arrêtées. Et on pense que c'est la meilleure solution pour éviter cette pandémie et fasse beaucoup de ravages. Les amis, il faut que les gens aient des bêtes. Rien ne nous amène avant une pause de baron, rien ne nous amène. En moins d'un mois, on est parvenu à jouer 6 journées. Donc, si souhaitons que quand même qu'on éradique ce fléau le plus rapidement possible pour qu'on reprenne le championnat, peut-être au pire des cas, au mois d'avril, comme indiqué, là, on pourra, la fédération et la commission sportive pourront vraiment programmer pour qu'on puisse terminer la saison en beauté, comme nous l'avons débuté. Il faudrait sursoir à certaines compètes, comme la Coupe de la Ligue, Coupe du Maire, pourquoi pas, et maintenir le championnat. À défaut, il faudrait penser à jouer 2 fois par semaine. On jouera 2 matchs par semaine, si possible, enchaîner en jouant les quarts de finale et les demi-finales pour pouvoir continuer le championnat et que ça se termine en mois de juillet, comme ils avaient dit. C'est ma solution pour sauver le championnat. Moi, on joue les mercredis et les week-ends. Pour A, nous avons pleuf, pour B, nous avons pleuf. Nous devons jouer directement quart de finale, demi finale, finale. Il faudra prendre des mesures, allant même à réduire le nombre de matchs, aussi bien en championnat qu'en Coupe du Sénégal. En play-off, aller directement en quart de finale, demi finale et finale. Et en Coupe du Sénégal, réduire le nombre d'équipes qui s'engagent. Je pense qu'on parviendra à trouver les voies et moyens, même si ça ne risque pas d'être facile. Mais dans ce cas-là, tout le monde doit comprendre que c'est une situation qui ne dépend pas de nous. Par rapport à la conséquence, nous pouvons les gars, je pense bien, nous pouvons les gars, parce que toi, tu as un mois de jouer. L'allemand, vraiment, nous avons un variable. Plusieurs clubs ont demandé à leurs joueurs et joueuses de rester chez eux, donc ça va impacter sur leur état de forme. Il faudra se préparer à une éventualité. Peut-être d'ici au mois de mai, on pourra rejouer probablement au mois de mai. D'ici là, ils peuvent se maintenir avec des séances individuelles à la maison. Programmation, c'est que nous allons accélérer, parce que nous allons arranger les clubs, parce que les clubs ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin de nous. Même si nous allons accélérer ça, l'avantage c'est que nous jouons. Si nous allons jouer 4 matchs, 8 matchs, nous allons jouer 4.
lolu muna chambouler calendrier bi tamit. Ce sera difficile pour les clubs et aussi pour les joueurs de rester là sans s'entraîner, sans jouer, ça peut amener aussi des baisses de forme. Wañu ñaar coupe quoi wala ben ba fa tamit xamna forcément dañu accélérer jeune yi tamit. Alay jiawul déjà moy do tuddi ñewul ba fa wara jouer playoff. Cette année aura un impact sur le calendrier général des compétitions. Déjà on est au mois de mars. Bientôt le mois d'avril, il faudra jouer la phase retour, la deuxième phase, les play-offs. Donc il faudra réajuster le calendrier, aller directement au quart de finale des play-offs. Un seul match à élimination directe, si on veut terminer le championnat au mois de juillet, ou bien au plus tard au mois d'août. Il ne faut pas aussi oublier le tournoi de montée en National 1, garçons et filles. Donc il faudra prendre en compte tous ces paramètres.